Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. D'où proviennent les déchets d'amiante stockés derrière le CHU? Est-ce un risque pour les patients et le personnel? La grève qui perdure dans l'éducation nationale en Guadeloupe ne risque-t-elle pas de pénaliser les élèves? Zoom sur un producteur local de vanille. Il concourt fin du mois à Paris pour représenter le terroir guadeloupéen. Depuis fin du mois de janvier, le CHU de Pointe-à-Pitre stocke de l'amiante sur son site. Ces déchets proviennent de travaux de nettoyage de la zone technique. Alors y a-t-il un risque pour les patients et le personnel de l'hôpital? Reportage avec Constantin Pelletier. À quelques mètres de l'entrée, sur le parking du CHU, se trouvent deux conteneurs remplis d'amiante. Cet isolant, interdit depuis 1997, pose problème. Inhalé, les fibres d'amiante peuvent provoquer des maladies respiratoires graves. Pour ce syndicaliste, cette situation est inacceptable. Tel entreposage, on est site fréquenté par les patients, fréquenté par les usagers, fréquenté par le personnel là, c'est totalement inadmissible et irresponsable. D'autant qu'à rappeler qu'un tel site doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'installation provisoire. Un arrêté préfectoral qui garantit également des questions de sécurité d'entreposage qui, pour dégradation éventuelle de l'environnement, qui pour dégradation générale de la population. Ces travaux sont réalisés sous le contrôle de la Socotec, une entreprise externe spécialisée dans le traitement de l'amiante. Mais pour M. Clavier, la situation est tout de même préoccupante. Il y a un risque effectivement que les conteneurs là, conteneurs lapidés, peuvent être dégradés. Il y a un risque également que bon, l'appli par ruissellement, s'il y a des fuites quelconques dans entreposage là, dans caisson là, où il y a un risque de ruissellement pour la nature. Et donc, on y a quand même des risques imposants et réels. De son côté, la direction de l'hôpital assure que toutes les précautions ont été prises. Les travaux ont été réalisés avec une expertise externe, en conformité avec la réglementation en vigueur. Moi, je le dis et je le redis, tout est conforme et ni le personnel, ni les visiteurs ne sont en danger par rapport à ce stockage qui va durer encore jusqu'à la fin du mois de février. Je rappelle que ce sont des déchets qui sont mis dans des conditions de conservation totalement réglementaires, sécures, encore une fois vérifiées par le bureau de contrôle. Ces conteneurs sont sous-scellés, sont dans un espace avec un barriérage spécifique, avec une information pour le grand public, et on les a mis volontairement à proximité des agents assurant la sécurité du CHU pour que personne ne puisse essayer de les ouvrir en prenant des risques pour sa santé et pour les autres. Si quelqu'un venait à démolir le barriérage et à ouvrir ces conteneurs, il faudrait vraiment y aller avec des outils qu'il faut pour pouvoir ouvrir le conteneur. Et bien évidemment, les agents de sécurité, c'est une société extérieure que l'on paye, seraient amenés à intervenir pour faire cesser ça. Deux autres conteneurs d'amiante vont être remplis avec les travaux en cours. D'ici quelques semaines, ils seront évacués en bateau pour être traité en métropole. Un incendie s'est déclenché ce midi à Jarry, derrière la clinique des Eaux Claires. Heureusement, il a rapidement été maîtrisé par les pompiers et aucune victime n'est à déplorer. L'origine est encore inconnue, même si on devine une combustion personnelle de déchets verts qui aurait mal tourné. À titre indicatif, brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 9800 km parcourus par un véhicule diesel. Brûler des déchets végétaux est d'ailleurs interdit par la loi depuis 2011. S'achemine-t-on vers un dénouement dans le conflit qui paralyse depuis maintenant 3 semaines le secteur de l'enseignement en Guadeloupe? Les députés de Guadeloupe seront reçus demain à Paris par le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agira pour eux de relayer les revendications des syndicats, particulièrement concernant l'abandon des suppressions de postes prévues dans l'Académie. Nos parlementaires se feront ainsi les relais des organisations syndicales, lesquelles ont prévu de se réunir en Assemblée générale demain après-midi pour décider de la suite ou de la suspension du mouvement en fonction des réponses qui seront portées. En attendant, les élèves sont fortement pénalisés par cette grève des enseignants. Beaucoup s'inquiètent pour leur année scolaire et leurs examens. Depuis quelques semaines, tous les moyens sont bons pour essayer de prendre le moins de retard possible. C'est le cas pour cette jeune lycéenne de 16 ans qui reçoit ses cours par WhatsApp. Reportage de Tom Gagnon. Isabelle a 16 ans, elle est en classe de première dans un lycée à Mornalo.
Avec la grève des enseignants, l'adolescente ne peut plus aller en cours. Alors, depuis plusieurs semaines, c'est le système D. Les élèves reçoivent les cours via Internet, parfois même via l'application WhatsApp. Il n'y a aucun suivi des professeurs. L'apprentissage est de plus en plus précaire. Il y a Pronote, il y a des professeurs qui envoient des messages par Pronote. Il y en a d'autres, ils ont le numéro de certains élèves, donc ils font transférer et les élèves nous envoient les leçons, les devoirs et tout. Et on fonctionne comme ça. C'est gênant un peu parce que les professeurs ne nous expliquent pas ce qui se passe, comment il faut avec les devoirs. On a les devoirs, on les lit, on voit ce que c'est, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Sur la durée, ce manque de cours pourrait avoir de graves conséquences pour les élèves. Isabelle sera bientôt confrontée aux épreuves anticipées du baccalauréat. La jeune femme n'est pas du tout confiante. On ne sait pas comment on va faire pour le bac. Il y en a plein qui disent que oui, on révise, mais ce n'est pas parce que tu révises que demain tu vas aller aux épreuves et que tu vas réussir tes épreuves. Ça n'a rien à voir, donc c'est chaud. C'est vraiment chaud. Cette situation inquiète également les parents de la jeune fille. Son père craint pour son avenir. Pour quelqu'un qui a des difficultés à comprendre et avoir ce contrôle continu et avoir cette absence, ce décrochage pendant plus de 2 semaines, 3 semaines même, cet enfant-là, il est voué à l'échec. On veut faire de nos enfants aujourd'hui des illettrés et des non-diplômés pour faire du travail de bas de gamme. Pour l'heure, l'étudiante s'accroche, mais comme beaucoup d'autres, elle espère reprendre les cours au plus vite. La collectivité régionale organise un forum sur l'éducation. Le but est d'aborder tous les sujets qui permettront de rendre plus lisible la politique éducative. Le forum sera ouvert à tous. Annick Abella, vice-présidente de la commission éducation, répond au micro de TV. À partir des problématiques posées autour de l'éducation nationale, nous avons donc décidé de mettre en place ce grand forum. Le forum va consister en un grand débat autour de la question liée à l'éducation nationale et l'ensemble des Guadeloupéens seront invités à poser des questions, à émettre des suggestions tout simplement et l'ensemble des idées, des solutions qui seront retenues seront émises lors d'un prochain congrès qui sera tenu par le Conseil départemental. C'est un sujet qui est assez grave et sérieux puisque l'enjeu est quand même la formation de nos futurs étudiants et de nos futurs salariés tout simplement. Ce qu'il faut savoir c'est que nous donnerons tantôt l'information sur les ondes, donc les gens sauront de quelle manière ils pourront participer à ce débat, mais ce qui est sûr c'est que ce sera dans un lieu approprié, ça peut être l'hémicycle du conseil régional ou du conseil départemental, mais l'ensemble des acteurs, des experts de l'éducation nationale, ainsi que la population tout entière est invitée à participer à ce grand forum. La préfecture lance un appel à projet pour la création et la mise en place d'actions d'intégration en faveur des populations immigrées en Guadeloupe. L'objectif est d'améliorer l'accueil des étrangers légalement admis en France, favoriser une insertion sociale, culturelle et professionnelle au sein de la société. L'appel à projet est ouvert aux organismes publics ou privés jusqu'au 16 mars. Cédric Coutelier est un passionné. Il travaille la vanille sous toutes ses formes depuis 15 ans. Notre producteur de Sainte-Rose se confronte cette année au concours général agricole qui se déroulera à Paris fin du mois. C'est la première fois que la vanille de Guadeloupe sera représentée. Une belle occasion de faire valoir notre terroir local. Reportage de Marius Mathieu. Comme tous les matins depuis près de 10 ans, Cédric Coutelier se rend sur son exploitation agricole, un peu particulière. Cet agriculteur ne travaille pas dans un champ, mais en pleine forêt domaniale, sur les hauteurs de Sainte-Rose, au plus proche de la nature. À l'abri de ses arbres, Cédric cultive de la vanille sur près de 5 hectares, avec une méthode respectueuse de la nature, l'agroforesterie. Ici, l'agriculture s'intègre à l'écosystème préexistant, sans en dégrader le fonctionnement naturel. Nous, on doit, en respectant le cahier des charges, respecter l'intégrité de l'arbre. Et donc vous avez vu là, on voit bien les racines crampons qui montaient là-haut. Je ne sais pas si vous voyez les traces. Ouais. Un des outils principaux du producteur de vanille, c'est d'avoir une perche télescopique. Je vais laisser la vanille monter à 6 mètres. Pourquoi ? Parce que ma perche a fait 4 mètres et puis c'est moi bras tendu. Ouais. Je vais tout faire pour éviter d'avoir besoin d'une échelle. Élaborer un produit qui s'insère parfaitement dans l'écosystème forestier, sans utiliser de pesticides, c'est le pari aujourd'hui réussi de Cédric. Il a dû pour cela s'armer de patience.
quand on l'installe, lui, il ne fleurit pas avant la 3 ou 4e année, donc plutôt la 4e en général, surtout en forêt, puisque la forêt, c'est elle qui va donner la valeur nutritive au vanillier. Donc en général 4 ans. Ensuite, au moment où on a la fleur, quand on la féconde, pour que le fruit soit mature, entre le moment de la pollinisation et sa maturité, il faut 9 mois. Une fois qu'on l'a récolté, donc là, du coup, il va falloir la transformer. Donc on va, en Guadeloupe, en généralement, la méthode traditionnelle, c'est la scarification. Séchage 1 mois et ensuite au moins 6 mois d'affinage pour développer les enzymes aromatiques. Pour l'affinage, Cédric utilise une méthode propre à la Guadeloupe. Grâce à cette mâchoire de poisson, il scarifie ou griffe les gousses une par une avant séchage. Une méthode fastidieuse, mais qui garantit une qualité d'arôme supérieure. Il produit ainsi chaque année 80 kg de gousses noires et n'hésite pas à transmettre son savoir. On a une petite association qui s'appelle l'Apagua, qui rassemble une cinquantaine d'adhérents, dont une vingtaine de producteurs qui sont déjà aujourd'hui en train de commencer à produire, et puis les autres qui sont en train de s'installer. Et avec cette association, on a pour ambition simplement de prendre notre part sur l'importation. Et de plutôt continuer à proposer un produit issu de l'agroforesterie guadeloupéenne. Mais il faut vraiment être, j'ai tendance à dire qu'il faut être passionné, parce que c'est pas forcément un produit qui est rentable tout de suite. J'ai l'impression que si on n'est pas passionné, ça marche pas. La vanille de Guadeloupe participera cette année au concours général agricole. Les gousses de Cédric seront confrontées à celles de La Réunion et de Tahiti. Nul doute que cette vanille guadeloupéenne, cultivée en symbiose avec la nature, saura faire la différence auprès du jury. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. D'où proviennent les déchets d'amiante stockés derrière le CHU? Est-ce un risque pour les patients et le personnel? La grève qui perdure dans l'éducation nationale en Guadeloupe ne risque-t-elle pas de pénaliser les élèves? Zoom sur un producteur local de vanille. Il concourt fin du mois à Paris pour représenter le terroir guadeloupéen. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.